police. Nous sommes là aujourd'hui pour les suicides des policiers, des gendarmes, des pompiers, des militaires. Nous ne sommes pas là pour casser, évidemment. Nous sommes les FFOC, vous nous connaissez. Nous n'allons rien faire de mal, juste simplement dire à Monsieur Castaner et au gouvernement que nous devons être reçus en urgence. Nous sommes aujourd'hui à 47 suicides dans la police nationale, 78 suicides en tout, dans toutes les côtes confondues. C'est stop, prends le bol maintenant. Le FFOC, en 2010, 78 de nos forces ont mis fin à leur jour. 47 policiers, 8 policiers municipaux, 7 militaires, 4 pompiers et 2 agents de la pénitentiaire. Le président et monsieur le ministre de l'Intérieur, ces hommes et femmes ne sont que des matriques. Au moins 160 orphelins de plus depuis le début de l'année. Combien faudra-t-il encore pour que vous teniez votre promesse, monsieur Macron, de nous faire recevoir par votre premier ministre de l'Intérieur, votre ministre de l'Intérieur, le premier flic de France? Il y a une véritable urgence. Nos familles sont en danger. Le FFOC n'abandonnera pas. Jamais. Gentil, merci. Voilà. Je trouve que c'est mieux que pavé. Hein. Ouais. Hein, voilà. Courage à tous et prenez soin de vous. Merci. Merci, madame. Tout le respect, on vous soutient. Alors, pourquoi la place Beauvau? Parce que c'est symbolique pour nous. C'est symbolique puisque le premier flic de France est ici et que la police va mal. La gendarmerie va mal, les forces de l'ordre en général vont mal. Les forces de sécurité, les forces de secours également. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos pompiers sont malheureusement, font aussi partie des suicides. Et pourquoi avoir organisé ce rassemblement aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été le déclic là? Le déclic, ça a été les deux derniers suicides des CRS, donc le CRS de la CRS 9, David, et Vincent de la CRS 11. Voilà le déclic qu'il y a eu. Après, ça faisait longtemps qu'on en parlait. Normalement, on devait reprendre les actions à partir de septembre. Mais là, j'ai dit stop, il faut faire quelque chose parce que c'est plus possible. Et voilà, ça s'est organisé rapidement. On n'était pas très nombreux, mais ce n'était pas le nombre l'important. Là, c'était vraiment ce sentiment de dire on est à Beauvau, on explique ce qu'on veut faire, on leur dit pourquoi on est là. Et de voir les collègues qui sont là derrière et... Voilà, on sait que c'est leur travail. On ne va pas venir les embêter dans leur travail. On est les familles, on est les épouses, les mamans. Mais c'est important de leur dire à eux qui sont là, qui prennent des jets d'acide à travers la gueule, désolé du mot, mais c'est exactement ça, des jets d'acide et des cocktails Molotov ou autre chose, de dire que nous, non. Les femmes des forces de l'ordre en colère, à chaque fois qu'on a manifesté, c'était pacifique. On n'a jamais eu de soucis.
On était, voilà, on est là pour eux. Et c'est des roses qu'on leur envoie. Et c'est notre amour pour nos forces, pour nos familles. Et justement, on a vu que vous étiez émus, et eux aussi d'ailleurs. Comment vous expliquez pourquoi tout ça ? Parce que c'est compliqué dans la famille des forces de l'ordre, en fait. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui critiquent les forces pour ce qui a pu se passer. Mais on est les premiers en France à leur sauter au cou quand il y a un attentat. Voilà. Et derrière les uniformes, il y a des hommes, il y a des femmes. Voilà, c'est des maris, c'est des papas, c'est des mamans. C'est pas simplement des matricules ou des robots. Voilà, il y a des sentiments. Et c'est vrai que le FFOC, depuis 2 ans et demi qu'il existe, on ne fait que ça. C'est le soutien au quotidien, tout au long de l'année. C'est des passages dans les commissariats. C'est simplement dire bonjour à un policier quand on le croise dans la rue. C'est pas grand-chose. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal, mais voilà, ça reste des hommes. Et c'est important de le montrer. Et voilà, ils ont été émus, et nous aussi, forcément. Mais c'était important d'être là. Et la symbolique de Beauvau, c'était très, très important. Beauvau, pourquoi aussi ? Parce qu'on attend un rendez-vous. Depuis août 2017, nous avons eu une promesse de rendez-vous par M. Macron, que M. Colomb n'a pas tenue. Quand M. Castaner est arrivé en poste, nous lui avons envoyé un courrier pour lui expliquer qui nous étions et ce qu'on voulait. Il nous a émis un refus catégorique de nous recevoir. Donc après, plusieurs semaines après, nous avons pris contact avec des députés ou des sénateurs de région, puisque nous sommes une association nationale. Et suite à cela, en fait, il y a eu des questions qui ont été posées à l'Assemblée nationale. Pourquoi vous ne recevez pas les familles, les femmes des forces de l'ordre en colère ? Et M. Castaner, sa réponse a été « Mais je ne vois pas de quelle association vous parlez, je ne les connais pas. » Alors que le refus a été signé par M. Castaner. Voilà. Donc voilà pourquoi aussi nous sommes là aujourd'hui. M. Castaner doit réagir. Il doit recevoir également les familles. On a des choses à lui dire. On a des choses à mettre en place de façon à faire arrêter cette vague de suicide. Merci beaucoup. Merci à tous. Juste, du coup, vous m'avez dit, je mets quoi comme prénom, on met quoi comme... c'est quoi comme pseudo que vous voulez qu'on mette ? Comme vous voulez, en fait. Non. Mais peu importe, je mets un prénom, quoi. Voilà.